Ne pas réduire la sunna à une apparence. Parmi les pires mots de la communauté, il y a le fait de réduire la sunna à quelques détails de l'apparence. Le Khamis arabe serait le vêtement sunna pour les hommes. En plus d'être une vision erronée car tout vêtement qui respecte les règles de l'habillement en islam est sunna, même si son style vient d'une autre culture, elle réduit la sunna à quelques effets liés à l'apparence. Notre propos n'est pas de dire qu'elle ne concerne pas du tout l'apparence. Le port de la barbe par exemple est une sunnah taraboudiya, à l'inverse du port du Kamis. Mais il ne faudrait surtout pas la réduire à ces détails, alors qu'en réalité, elle est un mode de vie. Un de nos savants a parfaitement résumé la situation en disant ⁇ Ouvrez les guillemets ⁇ Ce qui est désolant, c'est que certains musulmans ne connaissent de la sunna que le fait de laisser pousser la barbe, raccourcir les vêtements et l'utilisation du bâton d'arak pour se brosser les dents. Passant ainsi à côté de la dimension globale du message prophétique, dans lequel toute personne peut y trouver le modèle à suivre, qu'il soit jeune ou vieux, célibataire ou marié, en situation de paix ou en situation de guerre, riche ou pauvre, gouvernant ou sujet. Fermez les guillemets. La sunna est bien plus vaste et profonde que ces quelques détails relatifs à l'apparence. Suivre la sunna, c'est tout d'abord adopter certains principes moraux. L'humilité. Lors de l'ouverture de la Mecque en l'an 8 de l'égir, après 21 ans d'affrontement avec les polythéistes mécois, le prophète alayhi wasallam, entre à la Mecque grand vainqueur. Alors qu'il aurait pu profiter de la situation pour s'enorgueillir et humilier ceux qui l'avaient opprimé, combattu et forcé à l'exil, il n'en fit rien. Au contraire, en entrant dans la ville, sa tête était si baissée que son front était proche de toucher la selle de sa monture. À cette occasion, il croisa un habitant de la Mecque qui tremblait de peur à l'idée que le prophète puisse appliquer les règles de la guerre en cours à cette époque. Mais l'envoyé d'Allah, lui dit « Calme-toi. Je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait de la viande séchée. Suivre la Sunna, c'est être humble. Le courage. Anas ibn Malik nous rapporte que le Prophète, sallallahu alayhi wasallam, était le plus courageux des hommes. Ali ibn Abi Talib rapporte :« Je nous ai vus le jour de la bataille de Badr. Nous nous réfugions derrière le Prophète, et il était le plus proche de l'ennemi. Suivre la sonna, c'est être courageux face à l'adversité. Proclamer la vérité, quoi qu'il en coûte. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète s'est levé un jour et dit « Que la peur des gens n'empêche pas un homme de dire la vérité lorsqu'il la connaît. » Rapporté par Ibn Majah. Il est également rapporté cette parole, « Le maître des martyrs est Hamza ibn Abdil Muttalib. » Et un homme qui s'est dressé devant un gouverneur injuste lui a ordonné et interdit des choses, alors il l'a tué. Rapporté par Al-Hakim. Suivre la sunna, c'est être du côté de la vérité, quoi qu'il arrive. Vider son cœur de toute haine et rancœur. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Mon fils, si tu peux te réveiller le matin et te coucher le soir sans avoir la moindre rancœur envers autrui dans ton cœur, alors fais-le. Cela fait partie de ma sunna. Et quiconque fait revivre ma sunna m'a aimé. Et quiconque m'a aimé sera avec moi au paradis. Rapporté par At-Tirmidhi Suivre la sunna, c'est vider son cœur de la haine envers les autres. Réformer sa langue Abu Hurayrah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et muslim. Abdullah ibn Amr rapporte que le prophète n'était pas de nature vulgaire et il n'était pas grossier. Rapporté par Al-Bukhari. Suivre la sunna, c'est préserver sa langue du mensonge, de la vulgarité, de la médisance et de tous les autres méfaits de la langue. Être honnête. Une fois, le prophète alayhi wa sallam, passa à côté d'un marchand d'orge. Il plongea sa main dans le sac de grains et sentit que ceux du dessous étaient humides, alors que ceux posés dessus étaient secs. L'envoyé d'Allah dit: Qu'est-ce que cela? Le commerçant répondit que c'était à cause de la pluie, ce à quoi le prophète répondit: Pourquoi ne pas avoir mis les grains humides sur le dessus pour que les gens les voient? Celui qui nous trompe n'est pas des miens. Suivre la sunna, c'est être honnête dans nos relations avec les gens. Se contenter de ce que l'on a, al-qana'ah. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez son épouse Ra'isha et demanda Y a-t-il quelque chose à manger Elle lui répondit Non. Il dit Alors je jeûne. Abdullah ibn Amr ibn al rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A réussi celui qui est musulman, qui a la subsistance qui lui est nécessaire et qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il a. Rapporté par muslim. Suivre la sunna, c'est être satisfait de ce que l'on a avoir une ambition élevée concernant l'au-delà et le degré de piété, et être modéré dans ses ambitions matérielles. Être dans la modération et l'équilibre. Nous avons déjà cité le récit des trois compagnons qui décidèrent de prier toutes les nuits, jeûner chaque jour et de renoncer au mariage pour s'adonner à l'adoration. Le prophète n'approuva pas du tout cette exagération, et l'a qualifiée comme étant contraire à sa sunna. Par Allah, je crains plus Allah que vous ne le craignez. Je suis plus pieux que vous, mais je jeûne parfois et je mange parfois. Je prie la nuit, mais je dors aussi et j'ai des épouses. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Rapporté par Al-Bukhari. Suivre la sunna, c'est être dans la modération et l'équilibre dans tous les domaines. Ali ibn Abi Talib, anhu, le cousin et gendre du prophète, sallallahu alayhi wa était parmi ceux qui le connaissaient le mieux. En effet, il vécut dès son plus jeune âge dans la maison de l'Envoyé d'Allah et l'a accompagné tout au long de sa vie. Il nous décrit certaines qualités de son illustre cousin, « Rendre le mal par le bien. » Il ne rendait jamais le mal par le mal, mais il pardonnait. Éviter la violence. Il n'a jamais levé la main sur qui ou quoi que ce soit, excepté sur le champ de bataille. Il n'a jamais frappé une femme ni un domestique. Ne pas se venger. Je ne l'ai jamais vu se venger d'une injustice dont il avait été victime. Être strict dans l'application des ordres d'Allah. Lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés, il se mettait en colère. Invoquer constamment le nom d'Allah. Il ne se levait ni s'asseyait sans mentionner le nom d'Allah. Al Être pragmatique lorsqu'il devait choisir entre deux possibilités, il choisissait la plus facile vivre simplement dans l'intimité et ne pas se faire servir lorsqu'il entrait chez lui il était un être humain comme les autres, il nettoyait ses vêtements, il trayait sa chèvre et s'occupait de ses affaires. ne mépriser personne lorsqu'il arrivait dans une réunion, il s'asseyait où il trouvait de la place et il ordonnait de faire ainsi. il ne voulait pas que quelqu'un se lève pour lui laisser sa place. Il donnait de l'importance à chaque personne présente, de telle sorte que chacun avait l'impression d'être le plus honoré de tous par le prophète ⁇ Être au service des gens dans le besoin. Lorsqu'il s'entretenait avec quelqu'un qui avait un besoin, il ne mettait jamais fin à la discussion, mais il attendait que ce soit son interlocuteur qui le fasse. Avoir un caractère doux et généreux. Lorsqu'on lui demandait quelque chose, s'il pouvait, il la donnait. Sinon, il répondait par une parole douce. Personne n'avait un plus grand cœur que lui. Personne n'était plus véridique que lui dans ses paroles. Il était le plus doux des hommes et le plus noble. Il était impressionnant au premier abord, mais après l'avoir fréquenté, on ne pouvait que l'aimer. Abou Hurayra dit Je n'ai jamais vu avant lui, ni après lui, quelqu'un de semblable. Voilà ce qu'est la Sunna. Voilà les qualités à cultiver en nous si nous voulons nous revendiquer comme étant des disciples de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu wa sallam et être de ceux qui suivent sa sunna. Il nous faut pour cela réformer notre être, le rendre conforme à ce qu'allah aime, nous purifier des mauvais penchants de l'âme et tenter de se rapprocher de l'excellence de la moralité de l'Envoyé, sallallahu alaihi wasallam.